Bonjour les amis, si vous en avez marre de votre travail, eh bien faites comme moi, prenez la décision de changer les choses. J'avais 35 ans lorsque j'ai décidé de quitter la Belgique, arrêter mon job et de partir à Tenerife, Tenerife où je suis encore ici 25 ans après. Donc c'est une décision en fait qui n'est pas très difficile une fois que vous êtes motivé. Maintenant, bien sûr, il ne faut pas faire cela dans n'importe quelles conditions. Je suis venu avec mon épouse ici et on n'avait pas vraiment de travail ici en arrivant. On avait vu une annonce dans un journal après avoir pris notre décision de tout quitter, mais on s'est dit dans le fond, on est débrouillard, on est courageux, eh bien on trouvera bien de quoi faire. C'est ce qui s'est fait et si aujourd'hui je vis à Tenerife 25 ans encore plus tard, et que je travaille depuis 25 ans, ben c'est que vraiment la volonté suffit parfois pour vouloir faire un changement comme ça dans votre vie. Si vous n'êtes pas satisfait de votre qualité de vie, eh bien ne la subissez pas, décidez de changer. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout claquer, tout partir sans rien. Si vous avez des petits-enfants, bien sûr c'est plus compliqué, ce n'était pas notre cas. Mais bien sûr, il faut voir dans quelles conditions. Je vous conseille de venir d'abord en vacances si c'est Tenerife que vous choisissez ou bien un autre endroit. Mais ce qui est intéressant, ce qui m'a permis d'abord de vivre ici, c'est de chercher des petits jobs à gauche et à droite. Et j'ai fait un petit peu ce que je trouvais ici. Mais après, la chance que j'ai eue, c'est de voir toutes les opportunités qui existaient sur Internet. Donc à ce moment-là, j'ai dit à mon épouse, là je crois qu'il y a quelque chose de très intéressant à faire. Elle était un peu sceptique au départ, mais après, moi je voyais vraiment le potentiel qu'il y avait donc sur Internet. Et aujourd'hui, bien sûr, on ne se dit plus que c'est difficile de gagner de l'argent sur Internet, puisqu'il y a des milliers de gens qui gagnent de l'argent sur Internet. Moi, c'est ce que je fais aussi depuis 1994. Donc ça fait 15 ans, c'est une de mes activités, donc je fais du marketing sur Internet, je commercialise des formations au trading, à la bourse, puisque c'est une passion que j'ai depuis une dizaine d'années, et ce que j'ai appris en bourse, donc je le transmets à travers des formations. Sous cette vidéo, vous allez trouver donc des liens vers ma chaîne Bourse. Également, je fais de l'immobilier ici à Tenerife depuis pas très longtemps, mais vous voyez qu'il y a moyen de faire pas mal de choses, et lorsque vous avez des revenus qui vous viennent d'une activité, eh bien, qui ne vous prend pas trop de temps, vous pouvez vous permettre de faire d'autres activités parce que ça vous fait plaisir. Moi, l'immobilier, je le fais ici parce que je trouve ça plaisant. Ça me permet de rencontrer des gens et de ne pas être toute la journée devant des écrans en faisant du trading ou en faisant du marketing. Donc, ça vous permet donc de diversifier les choses, mais Internet est vraiment un moyen de faire pas mal de choses. Donc si ça vous intéresse de voir comment on peut se débrouiller en vivant n'importe où du moment que vous avez une connexion Internet, eh bien je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube sur le marketing, donc cette chaîne ici. Et si les autres aspects de mes activités vous intéressent, eh bien je vous invite à vous inscrire sur mes autres chaînes YouTube. Donc c'est tout à fait possible. Ici à Tenerife, on a de très bonnes connexions Internet. Il y a d'autres endroits dans le monde où c'est très bon, bien sûr. C'est très rapide, donc il y a moyen aujourd'hui de vendre des tas de choses, des formations. Si vous avez une passion dans quelque chose, si vous pouvez aider les gens, eh bien vous avez la possibilité de transmettre votre savoir et de gagner de l'argent de cette manière-là en continuant avec votre passion. Donc moi c'est ce que je fais avec la bourse, mais il y a des tas de solutions différentes. Je suis en train de préparer une formation qui va expliquer donc comment on peut démarrer sur Internet. Vous pouvez déjà faire des recherches, vous pouvez déjà vous abonner à ma chaîne YouTube, je vous donnerai des conseils. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de mes vidéos si vous avez des questions, si vous ne savez pas, si vous ne savez pas comment commencer, quoi faire, quelles idées utiliser, quels produits vendre, tout ça, moi je peux vous en parler puisque ça fait 15 ans que je fais ça. J'ai conseillé pas mal de personnes, j'ai aidé des particuliers, des entreprises à se développer sur Internet, donc j'ai quand même un peu d'expérience, 15 ans d'expérience sur Internet, je crois que ça compte et je peux commencer à parler de ce que j'ai fait. Je ne vous dirai pas ici le chiffre d'affaires que j'ai fait au total, mais il est déjà tout à fait honorable. Inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et vous apprendrez des choses sur mon parcours.
dans les prochaines vidéos. Donc, si vous en avez marre de votre boulot, eh bien, ne subissez pas votre travail de cette manière-là, parce que ce serait dommage de perdre tant d'années. Moi, quand j'ai pris la décision de venir ici, eh bien, je me suis dit, j'ai peur de regretter de ne pas prendre cette décision. Donc à 35 ans, j'ai dit « Ok, on y va, on tente l'aventure » et je ne le regrette pas aujourd'hui, bien loin de là. Donc je vis au soleil toute l'année et pour nous, c'est une vie vraiment splendide ici à Tenerife. Donc songez-y, vous avez la possibilité de faire comme tout le monde. Il ne faut pas être particulièrement doué, particulièrement intelligent. Tout le monde peut se lancer sur Internet et gagner de l'argent de cette manière-là. Maintenant, si vous avez un job actuellement, eh bien, il faudra peut-être travailler un petit peu le soir pour préparer ce changement, un peu le week-end également. Même si vous prenez un peu de temps sur les loisirs avec votre famille et tout, eh bien, expliquez-leur votre projet, ils comprendront certainement et ils vous soutiendront dans votre projet. Donc c'est important d'avoir des soutiens là-dessus, d'avoir une certaine persévérance et je peux vous dire qu'après on ne le regrette pas. Si d'ici 2 ans vous gagnez suffisamment pour pouvoir faire un autre job que celui qui vous embête aujourd'hui, eh bien je pense que vous serez satisfait d'avoir pris cette décision. Voilà, donc si vous aimez cette vidéo, si vous aimez mes vidéos, likez-les, partagez-les. Et j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt. Au revoir.